Le trèfle à quatre feuilles est une plante porte-bonheur depuis l'Antiquité. Donc vous avez bien compris, on va faire un trèfle à quatre feuilles pour porter bonheur à ceux que vous l'ouvrez. C'est parti. Donc ce que vous aurez besoin pour ce tuto, il vous faudra du fil de fer fin, donc à l'occurrence, des perles vertes et deux pinces, donc une pince coupante et une pince assez plate pour tirer. Et du modèle que je vous mettrai sur mon Facebook qui sera en barre d'infos, donc sur le Facebook. Donc on va commencer par prendre un bon fil de fer donc, et le couper avec notre pince coupante, bien sûr, sinon ça sert à rien. On va enfiler une perle, donc cette perle-là, en fait, vous l'enfilez dans quel que vous voulez. Et vous allez prendre vos deux bouts et les remettre, vous les joindre, et en fait, ça va vous faire vos milieux, le milieu de la feuille. Donc en gros, là, vous allez repasser votre fil de fer dans les perles. C'est le fil de fer qui n'a pas les perles, au fait, que vous passez dedans. Et vous tirez, vous faites très très attention de ne pas trop tirer très fort pour pas casser le fil de fer. Parce que si vous cassez le fil de fer, bah vous êtes obligé de tout recommencer et la patience a sa rigueur. Donc là on va refiler trois perles et on va faire de même. Et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo en fait. Voilà. Et je vous reprends voix off après. Oh, des fois vous serez obligé de leur donner un coup de main à se placer parce que des fois ça se place pas tout seul. Et il suffit de desserrer, resserrer pour en fait bien les placer. Pour les 8 perles, en fait, il faudra juste enfiler vos perles, faire comme depuis le début, en fait, vous prenez votre fil de vide, qui sont perles, en fait, et le refiler dedans. À partir, en fait, de ce panneau-là, quoi, vous allez l'enfiler, vous renfilez votre fil de fer, en fait, dedans. Et c'est là ça va devenir compliqué, tout simplement, bah, parce que... enfiler votre fil de fer sans casser tout. Donc voilà. Donc pas trop serré parce que si vous serrez trop, en fait, vous pourrez pas repasser votre fil de fer de l'autre côté. Donc on va prendre qu'un fil de fer là et on va enfiler trois perles. Un coup vous avez enfilé vos trois perles, au fait, on va venir compter 4 depuis votre première perle et venir le repasser votre fil de fer dedans. Donc là vous aurez sûrement besoin de la pince parce que c'est galère, je vous l'accorde, et je vous dis bon courage parce que j'ai galéré mais énormément pour que ça vous forme un cœur au fait, et de l'autre côté vous faites pareil. Je vous montre un petit peu au fait que je galère un petit peu et que je me sers au fait de la pince plate au fait pour tirer, mais voilà. Donc je vous remonte vite fait au fait pour le deuxième. Donc je vous l'ai mis en plus accéléré. Mais au cas où vous n'aurez pas vu, au fait, en gros, j'ai pas besoin de le dire, au fait, c'est galère. En gros, il faut que ça juste que ça forme un cœur, au fait, et qu'il faut que j'utilise chaque fil sur chaque côté. Voilà, en fait. Donc un coup que vous avez fait vos 4, on va faire l'assemblage. Donc oui, parce qu'un trèfle à 4 feuilles, et pas 3. Donc sinon ça vous portera pas bonheur, je pense. Donc voilà, en fait, en gros, en fait, on va juste les tortiller ensemble.
et venir couper en fait l'excédent en fait de notre fil de fer. Il faut que ça fasse en fait le tour en fait. Voilà. Donc vous aidez votre pince, vous aidez plein de choses et puis c'est tout sympa à assembler. Après vous pouvez laisser en fait le fil de fer si vous voulez et vous rajoutez du washi tape vert ou des trucs à fleuriste, je sais plus comment on appelle ça. Mais du scotch en fait en gros VR, il y a plein de choses qui peuvent exister, mais sauf que moi c'était pour faire un pendentif. Bah c'est pour faire un pendentif. Donc il sera pas. J'en ai pas besoin en fait du fil de fer. Donc du coup moi après je vais le couper. Donc j'espère que ce tuto t'aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis il y a une deuxième partie qui sera la coccinelle la semaine prochaine. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bonne création à vous.